Hello tout le monde, c'est Filito, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 de ce Let's Play sur Pokémon Version Platine en Fight Monotype Challenge. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous étions allés sur l'île de Fer où nous avions rencontré un petit monsieur du nom de Armand qui nous a demandé notre aide pour régler quelques petits problèmes avec la Team Galaxy qui faisait un petit peu de la merde, hein, comme d'habitude, hein, ils font des trucs pas bien, mais un petit peu inutiles, et qui énervait les Pokémon, apparemment. Et donc, du coup, bon, on a tapé la Team Galaxy, ils se sont barrés, et en cadeau, ils nous avaient donné un œuf. Donc, j'ai pas touché, hein, au jeu. Faudra que je vous fasse éclore, parce que cet œuf va contenir mon prochain Pokémon. Donc, on le garde là, dans l'équipe. Et je sais plus ce que j'allais dire aussi. Si oui, vous le voyez, hein, Simiabraz a évolué, enfin, Chimpanfeu a évolué en Simiabraz, et donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, Scarino, faut qu'on l'entraîne un petit peu, Gallam aussi. Et bon, on verra ça pendant l'épisode. Je vais quand même mettre un Pokémon de côté, parce que on va d'abord aller... pas au Mont Couronné, puisque apparemment on va y retourner, donc on m'a dit vas-y plus tard quand tu vas y retourner, donc on va y aller plus tard. Mais on va aller à la grotte Revêche. À la grotte Revêche et... non, pas ça. À la grotte Revêche et... Verchamp. Pour faire deux petits trucs. Alors, c'était toi. Voilà. Donc, tout d'abord, on va aller route 212 pour apprendre point éclair à Simiabraz. Donc, c'était Verchamp. Pour les CT, ouais, pas trop donné d'avis là-dessus. Enfin, à part... Cable Best qui m'avait dit ouais, ça servait à rien de tunnel et... Enfin, c'était bof pour tunnel et que de faire sur Simiabraz. J'avais quoi d'autre aussi que je regarde. Je ne sais plus ce que j'avais. Ah, faudrait que je revance aussi, j'avais dit de le faire. Vampipoint, je crois. Non, je sais plus. Piège de rock, ça pourrait être sympa, mais... à voir. Ouais, il y a quand même quelques petits CT à revendre. On ira revendre ça plus tard. Ouais. On ira revendre ça plus tard. Bon, allez, quoi que, allez, maintenant, parce que on est juste à côté, autant le faire. J'espère que vous entendez pas un bruit de perceuse en fond, parce que, ben, les voisins qui percent. Donc, du coup, j'espère que ça s'entend pas trop. Balgren. Voilà. Zénith. Voilà. Provoque. Voilà. Une attaque furieuse à la puissance, précis. Oh non. Hop. Non. Ça, on garde. On va regarder. On garde. Attraction. Non. Larcin. Atterrissage. Pas besoin. On va regarder quand même quelques petits trucs. Hein. Ça. Nuerm, ça peut être. Ouais, mais après, je compte pas les utiliser, on va quand même garder. Picor, non. Distorsion, non, voilà. On va voir déjà ça, c'est déjà pas mal. Et mine de rien, on a quand même pas mal de CS. Hein. CS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque du coup la 7ème. Peut-être même une 8ème. Je crois qu'il y en a 8. Je crois qu'il manque cascade et escalade. Ça va. Alors, du coup. Route 212, je crois qu'il y a... Enfin, on m'a dit qu'il y a le mec. La maison. Avec le mec. Qui apprend les trucs. Alors, juste... Max repousse ou super repousse. Voilà. Donc, on va essayer de le trouver. Apparemment, j'étais passé devant. Mais... je me rappelle plus du tout. Ah oui, c'est vrai, c'est Gadou, j'aime pas la Gadou. Non, Gadou, dégage des Gadou. La pire invention qu'il y a eu dans Pokémon. Ah, quoique non. En termes d'invention, bien dégueu, il y en a eu pas mal. Mais la Gadou, c'est peut-être pas la pire. Il y en a eu d'autres.
On a eu d'autres. C'est toi? Ah oui, les tessons. Ah mais c'était en rapport avec les tessons. Ah ouais mais attendez, parce que là je sais pas si j'ai assez de tessons aussi. Simia Braz. Point éclair, onde vide. Mais c'est quoi onde vide? Je sais pas c'est quoi onde vide. Point éclair. Ah bah voilà, j'ai pas assez de tessons. C'est bien ce que je disais. Il me faut combien de tessons? On peut apprendre pas mal d'attaques. Psy coup de boule. Ça va, tranquille. Eh, psy coup de boule sur Galam, ça pourrait être. Je sais pas. Est-ce que c'est physique? Je sais plus. Point éclair. Point éclair, 2 tessons rouges et 6 tessons bleus. Et j'ai combien de. J'ai pas de tesson rouge. Attendez. Tesson jaune, tesson vert, tesson bleu. Ah, j'ai pas assez de tesson bleu. Il m'en faut encore 3. Et tesson rouge, j'en ai assez. Ouais, j'ai pas de tesson bleu. Ouais, donc voilà quoi. Ah, je veux bien, mais si j'ai pas de tesson bleu. Bah écoutez, dites-moi où est-ce que je peux avoir des tessons bleus si jamais vous savez. Attendez, mais ils me disent pas les petits copains à côté là. Ils me disent pas si je peux en avoir. Enfin, où est-ce que je peux en trouver? Si tu en trouves sous terre par exemple. Ah ouais mais explorer à qui je peux pas. Super. Aime les tessons bleus. Ouais. Ouais mais. Et là le carnet il dit rien. Ok d'accord. On s'en fout. Super. Bon ben on va. On va aller à la grotte revêche, je pense, séisme, mais pour point éclair, ben, il faudra trouver des. Attendez, parce que là, c'était près de la piste de cyclable, c'était là, je crois. Il faudra trouver des tessons bleus. Il manque 3. Attendez, je vais faire une petite ellipse de seconde. Ouais, bon, ouais, c'est bien dans. Faut l'explorer à kit dans le souterrain, mais ça, je peux pas le faire sur émulateur, donc, ben. Ben voilà. J'en ai trouvé 3 dans. Enfin, par terre, quand je me baladais. Du coup, peut-être que je peux en retrouver dans. Dans des grottes ou quoi, si j'explore. Mais, vu que dans le souterrain, je peux pas y aller, je sais pas, ouais. Bon, au pire, tant pis, je pourrais pas utiliser point clair, c'est un peu dommage, mais bon. Que voulez-vous? Je ne peux pas. Je ne peux pas. S'il me donnerait assez de tessons aussi. Bande de cons. Quel jeu à la con, sans déconner. On peut même pas le faire sur émulateur, c'est chiant. Ah oui. Où est-ce que je vais? Ah non, j'ai besoin de coupe. Ah là là. Attendez. Oui. On va virer un Pokémon. On va aller à l'arène, hein, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je vois venir là. Oui, mais tu perds du temps, tu vas pas à l'arène. Mais si, je vais y aller. Attendez. Attendez, je récupère séisme. Bordel de merde. C'est séisme. C'est puissant. Autant le récupérer maintenant. On pourrait peut-être en avoir besoin, ça pourrait être utile. Non. Si, qu'est-ce que je fais? Déposer. Non, mais. Qu'est-ce que. Déposer. Toi. Voilà. Toi, pas besoin. Besoin de l'autre, là, qui a coupe. Ouais, toi. Donc on va aller trouver une entrée secrète. Et oui, parce que c'est pas l'entrée dans laquelle on était entré la première fois. Il y a de cela, non pas là, plusieurs épisodes, mais une entrée secrète qui est cachée. Et oui, parce qu'elle est secrète. Du coup, va falloir la trouver. J'espère qu'on va la trouver rapidement. Après, j'aimerais bien faire le combat d'arène. Bon, de toute façon, je le ferai. Hein. Au pire, ce sera un long épisode. Même si je sais que certains n'aiment pas trop les longs épisodes. Mais je m'en fous. Complètement. Je m'en fous. Enfin, après, ça dépend. Hein, combien de temps je passe sur les combats. Sac.
sac, 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 max repousse, parce que là, hors de question que je me tape tous les Pokémon à la con de la zone. Alors, apparemment, elle serait entre des piliers. Alors, si j'ai bien compris. Ok, au sud. On va enlever le vélo. Ah, bah voilà, trouvé. Ah, faut flash. Sans déconner. Bon, tant pis, on y va sans flash. On voit notre bonhomme, c'est bien. Ah bah non, faut pas flash, c'est cool. Ah oui, faut vélo. Oui, alors juste attendez, parce que là, imaginons qu'il y aurait un tesson bleu. Ah, attendez, un objet. Mais une pierre nuit, mais je m'en tape. Donne-moi un tesson bleu et puis fais pas chier. Le jeu, donne-moi ce que je veux, parce que je veux pas. Il n'y avait pas des petits tessons bleus. Il y avait un mec qui nous proposait aussi, rappelez-vous, près du lac, enfin, la rive du lac Courage, nous proposait de faire, de creuser dans le mur. Peut-être qu'on aurait pu trouver des tessons. Eh. Ouais, mais non. Il y a l'arène aussi. Voilà, on fait pas l'arène, mais si, si, si. Non, bon, on verra la prochaine fois du coup. Tant pis, on verra la prochaine fois. Par où je dois aller? Il n'y aurait pas déjà des objets là? Non. Non. Ok. Alors, je dois passer par là. Hop là. Ah oui. Ah. Ah, c'est... Ah non! Ah! Purée. C'est... Oui, d'accord. Hop. Tu peux tout enchaîner comme ça. Mais du coup, je suis passé à côté peut-être des trucs, non? Huile max, ça peut toujours être utile. Non. Non, j'ai raté. Ah. Est-ce que vous l'entendez? C'est de l'orage. Il y a de l'orage chez moi. De l'orage. Ça fait boum. Boum. Kadaboum. C'est pas par là. Comment je suis censé aller là-haut? Je peux pas passer par là? Ah oui, non, mais oui, d'accord. D'accord. Ah oui, d'accord, ça va être très dur. Ah, très dur. C'est très conceptuel. Mais non, mais il le saute pas. Ah, peut-être faut réduire la vitesse, non? Ah, peut-être. Non? Non? Ah, peut-être à pied. Ah, peut-être. Comment je suis censé passer? Mais non, mais il passe pas. Oh là, qu'est-ce que... Je me rappelle de ça, hein. Ça, cette partie-là, je me rappelle très bien. C'était une partie chiante. Comment je suis censé faire? Je vois pas du tout comment je suis censé faire. Ah, peut-être qu'il faut l'enlever en plein saut, non? Est-ce que c'est possible? On va tester. J'ai envie bien ne pas passer tout l'épisode là-dessus. Ça va être un épisode. Ah bah non. Le jeu, laisse-moi passer. Il me laisse pas passer. Quelle déception. Comment... Ah, me dites pas qu'il faut... Ah, putain. Faut pas le vélo... Non. Ça m'étonnerait qu'il faut le vélo cross. Ah non, parce qu'au début... Attendez. Allez, on va partir. Ah oui, voilà. Le vélo cross, il peut pas passer ça. Si? Non. Normalement non. Le vélo course. Alors comment je suis? Suis sûr que ça a une histoire avec les vitesses, mais c'est chaud. Mais... Et puis là, je passe plus. What the fuck? C'est de la merde. Et non. Eh ben oui, ben non, mais après je tombe. Ah, mais c'est vraiment de la merde. Kadji à la con. Avec des trucs à la con. Ah, voilà. Pff, bordel.
On va faire d'une jump avec un vélo, cool. Wesh. Qu'est-ce que j'en ai foutu de ton jump à la con? Ah oui, d'accord, mais non, faut augmenter la vitesse, bah, sinon ça va pas le faire. Hop, max repousse. Bon, du coup on perd beaucoup de temps là-dessus. Hop, par là. Mais oui, mais faut rouler vite, voilà. Je passe à côté de plein de CT. C'est quoi ça? Super bonbon, merci, mais donne-moi des tessons plutôt. Un tesson, je veux bien, je dois être le seul à demander des tessons. Par contre, là, il y a des trucs et je peux pas passer à côté. Voilà. Acrogriffe, j'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre, le jeu. Hop, hop. Mais bon, on va faire l'arène. Ça va mettre 40 ans, ça aussi. Et du coup, on fera juste ça. Ah! Avec le joystick, c'est pas évident. Voilà. Hop, il n'y a pas d'objet à tout hasard. Non. Là non plus. Non. Là non plus. Non. On monte. Et. Séisme! Enfin! Et B. Allez, on va l'apprendre du coup. Je vais t'apprendre. Où es-tu? Tu es là-bas. Hop, on va la prendre à Coatox. À la place de Boubon. Ça me paraît bien. Voilà. Et on va... Déjà, juste vérifier. Non, ok. On va faire... Quand sortie, je crois que j'en ai une. Quand sortie... Où es-tu? Je crois que je t'ai, mais je ne te vois pas. Ah, dites-moi pas que j'en ai pas. Excellent. Ah, j'en ai pas. Bon, bah, on va devoir partir. Ah non, barrez-vous. Ah, barrez-vous. Non, barrez-vous, 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 barrez-vous. Allez, hop. Fais max repousse, t'es où? T'es là-haut, hop. Hop. Allez, dépêche-toi maintenant. J'ai envie de faire l'arène. Parce que c'est pas qu'on est bien. Enfin, quoique j'ai fait une petite ellipse, hein, mais on est quand même proche des 20 minutes. Ce serait bien de faire l'arène. Et en 10 minutes, je suis sûr qu'on va pas réussir en plus. Hop, vol. Ah, jolie berge. Ah oui, aussi demi-tour. Oh. Demi-tour à jolie berge. Attendez, parce qu'on va déjà récupérer nos compagnons. Et demi-tour, je verrai la prochaine fois. Hein. On ira voir ça la prochaine fois. Retirer. Non. Déposer. Hop. Voilà, hop. Et retirer Scarino et Marconier. Voilà. Et du coup, on va pouvoir enfin faire l'arène. Je vais quand même me soigner un petit peu. Et on va faire l'arène. Ça serait bien que, allez, en 15 minutes, on la fasse. Ça serait nickel. Comme ça, un petit épisode de 35 minutes. Mais... De toute façon, vous le voyez le temps de la vidéo, puisque vous êtes en train de la regarder. Moi, je ne le sais pas, puisque je suis actuellement en train de la tourner. Mais bon. Alors, type passé ici, on va pas parler au gars, parce que du coup, on sait le type. Coucou. Ça symbolise rien du tout, ça va juste symboliser ta défaite. Tout simplement. Un Stylix, alors toi je te fais Vendetta, tiens. Fais Grincement, je te fais... j'aurais pensé plus fort. Fais Séisme. Pouvoir.
Ah, il y a une bonne défense après, c'est vrai. Allez, Vendetta. Fais ça si tu veux, tu m'attaques pas alors, c'est un peu con. Voilà. Par contre, on va... Oui, on va... On pourrait mettre lui, hein, techniquement. Alors, on va mettre Scarino en premier parce que... Techniquement, il craint pas grand-chose ici. Et puis, je pourrais lui faire des... Enfin, le faire augmenter le niveau. Coucou, toi. Il y a une arène Pokémon. Oui, c'est une arène. C'est bien. C'est bien, mon petit. Un Magnéti. Bon. Casse-brique. Voilà, appui Magnéti. Mais il est quand même fort, hein, notre Scarino. Alors, comment ça fonctionne? Ah, d'accord. Ok, super. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Ok. Je vois un peu le genre. On va s'éclater. Il y avait aussi de l'autre côté. Bon, on va essayer de tout faire quand même. Un top dresseur. Oh non, je les aime pas, eux. Ils sont méchants. Ils sont forts en plus, c'est coquin. Alors. Un Scizorox. Ah, intéressant. Insecte acier, si je dis pas de bêtises, contre insecte combat. Casse-break. Du coup, si je fais aéropiquer, ça marche ou pas, vous pensez? On va tester aéropiquer. Griffe acier, ça fait mal. Ah, puis il augmente son attaque. Test aéropiquer. Ah ouais, là, forcément avec tranche. Bon, c'est pas grave, on va la rappeler après. Allez, ma cogneur. J'envoie pas Simiabraze parce que je le garde pour après. De 1 et de 2. Fais représailles. Oula, ça fait mal. Ah ok, ça fait que dalle sur lui. Super. Bon allez, on va l'envoyer maintenant. Mais c'est surtout parce que les... Oula. Les deux autres, ils étaient un petit peu en retard, c'est pour ça. Bon. Parce que là, il s'est mis en vrai niveau 39, quoi. Tox aussi. Donc j'aimerais bien plutôt XP Scarino et trucs. Ma cognière. J'ai des rappels, oui, j'ai pas beaucoup de rappels, mais j'en ai. Rappel sur ma cognière. Hop, et des super potions sur toi. Voilà. Alors du coup, Scizorox, on évite les Scarino. Où est-ce que je vais là comme ça? Ah, je sais même pas où est-ce que je vais. Attendez, on va faire lui. On va pas aller là. Il y a un petit dresseur en bas, je l'ai pas fait lui. Les hommes et les Pokémon travaillent en équipe. Ouais. Si c'est pas beau tout ça. Donc des Magnéti, ça va, il gère. Voilà. Et Magnéti, c'est super. Voilà, il gère. Par contre. Ok, ça sert à quoi d'aller là? Il y aurait des objets cachés? Non. Ça sert à rien. Juste pour te faire voir. Ah, il y a un chemin, mais c'est pas le bon que t'as pris. Haha. Ouais, par contre, j'aimerais bien. Avant de faire le champion, on va tous les faire si possible. Qu'est-ce qui... Je sais plus ce qu'il a comme Pokémon, le champion. Bon, il doit avoir tous les coups un Steelix. Bon, Steelix. Alors, testons Casse-Brick sur Steelix. C'est pas mal. Il lui fait bien mal en plus. Attendez, mais là, on est en train de le gérer. Voilà. On garde. On fait riposte. Meurs pas, merci. Et voilà. Cool, niveau 35. J'aurais peut-être lui donner des super bonbons, pourquoi pas. Super potion, déjà. Super bonbons, on verra. Ouais, pas maintenant. J'ai pas des petites potions. Si, j'ai des petites potions. Petite potion.
On va encore un petit peu l'entraîner, Scarino. Mais là, je monte et je descends. Mais j'aimerais bien faire les autres dresseurs que j'ai pas encore fait aussi. Sur la gauche. Je ne partirai pas sans avoir affronté tous les dresseurs. Ah, t'es quoi, toi? T'es pas assez psy? Ouais, donc on va... Hein? D'accord, hein? On fait comme ça? On change? Allez. Notre ascenseur, super. Ça va, il tient, il tient. Camp perdu. Ah, s'il te plaît. Yeah. Représailles, représailles, représailles. Bah voilà, tu gères. Un archéomir, on garde. Camp perdu. Ça, qui tient et qui se prend pas de dégâts, c'est cool. Représailles. Je fais corps perdu parce que représailles, je sais pas si ça l'aurait one shot. On va tester, allez. On va tester. Est-ce que représailles, ça lui fait mal? Ouais, voilà. C'est pas non plus... Non! Je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais, sac. Soin. Hyper potion. Extra ascenseur, on tient. Non! Et corps perdu. Si tu pouvais attaquer. C'est bien, j'ai pris aucun dégât de confusion pendant tout le combat. C'est nickel. Tu gères mon petit maconieur. On va te donner une petite potion en récompense de ton formidable combat. On va prendre cet ascenseur qui me mène encore en bas. Oh là, attendez, là c'est l'ascenseur du mal. Il est rouge. Mais à gauche, j'ai des trucs que j'ai pas fait. Attendez, revenons en arrière. Je ne pars pas sans avoir fait tous les dresseurs, moi. Je veux de l'XP. L'XP, c'est important. Ça va assez vite, hein. Ça servait à rien. Par ici. Où ça tombe, j'ai même pas fait, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais pas. Voilà, je reviens en arrière, voir si j'ai rien raté. Tu vois, je t'ai fait, mais là, ça me permettait d'aller où? Ah oui, il y a lui que j'ai pas fait. Le petit monsieur au casque. Au casque. Le seul que j'ai pas fait. Magnéti, c'est nickel. Hop. Magnéti, c'est nickel aussi. Et Magnéti, c'est parfait. Alors par contre, du coup là, c'est bon, je les ai tous faits apparemment. Du coup, on va refaire le truc. Alors, le champion, non pas par là. Le champion, ça va être une autre histoire. Hein, parce que là, il risque de faire bobo. Alors, est-ce qu'on envoie Simiabras en premier? Ou on envoie Coatox? Ça peut être pas mal. On va tester avec Coatox, peut-être. Je sais pas. Ou au pire, on switchera. On va laisser Scarino en premier. Mais j'ai peur qu'il se fasse tuer. Bon, on verra. Pierre, j'ai un rappel. Même si je pense pas que Scarino me sera fortement utile. Attendez, mais c'est pas là. Ah! Quoique. On ne sait jamais. Casse-brique, ça fait quand même bien mal. Il fait bien mal avec ça, donc on verra. Hop, on est à peu près ouais, à 30 minutes. Allez, si on arrive du premier coup, je préfère sauvegarder ici, on sait jamais. Je sais pas si le truc va se lancer tout de suite, donc bon. La sauvegarde qui est super longue. Oui, je chante. C'est quand tu veux.
Voilà. Alors. Tout en haut. Coucou. Ah, c'est le badge de la reine de Charbourg. Je vois, tu as vaincu mon fils, donc tu es son papa. Enfin, ce n'est pas étonnant. Il a encore beaucoup à apprendre. Moi, Charles, saurais être à la hauteur, contrairement à mon fils Pierrick. Eh ben, vas-y, envoie tes petits Pokémon. Avec ta pelle. Magneton. Ah! On faisait mal avec, sur les Magnétis. Bon, je pense que là, les Magnétons sont plus résistants, mais peut-être... On verra. Comment ça va se passer, les casse-briques? Moi, je dis... Que... D'accord! Tu baisses ma défense P. Je m'en doutais. C'est pas grave, parce qu'on va faire... Regardez, on va faire aller repiquer. Ça va pas enlever énormément. Mais voilà, ça enlève un petit peu. Et il suffit que je refasse la même avec casse-brique. Ça va le tuer d'un coup. Ah non, mais... Lumino-canon. Ah, attention. Là, il peut me tuer mon... Scarino. À moins que t'aies... Ah, s'il te plaît, résiste. Ah, ben non. Il a baissé ma défense spéciale, même s'il aurait pas fait, je sais pas si j'aurais résisté ou pas. On va appeler Coatox. Par contre, je veux le rappeler l'autre petit. Si je le rappelle, est-ce qu'il va gagner d'XP? Je sais pas. On va quand même le rappeler. Hop, hop. Tonnerre. Résiste, s'il te plaît. S'il te plaît, résiste. Je te demande juste de résister. Non. Si. Non. Ah, mais t'es pas sérieux, coup critique. Ah, sans déconner. Allez, Simiabraz. Toi, tu vas me le payer. Je t'aurais prévenu, hein. Tant pis. Flamèche dans ta face. Bon, là, tu meurs. Et tes prochains Pokémon, je vais te les tuer aussi parce que t'as été méchant. Voilà, Skyrim gagne de XP. Ça, c'est le plus important. Coatox, on s'en fout, il est niveau 39. On garde. Coatox, il est niveau 39. Par contre, j'ai plus de rappel, donc on va faire gaffe. Roue de feu. Ah, j'aurais pu faire close combat, c'est vrai. Bon, on va voir déjà combien ça fait roue de feu. Ouais. Ah! Ah ah ah! Ah ah ah! Je m'en doutais qu'il avait séisme. J'aurais dû faire close combat. J'avais complètement zappé que je l'avais en fait cette attaque. J'ai pas une rappel max. Attendez, on va voir ma cogneur. J'ai pas un rappel max. Non. Non. Allez, merde. Bon. Là, on est un petit peu dans la merde. Quoique. C'est vrai que j'aurais pu faire close combat et j'ai pu penser sur le coup, je l'ai même pas vu. Il l'a appris dans le dernier épisode. C'est vrai. Alors avec tes guérisons, t'es chiant. Mais... On va quand même te tuer. On va réussir, j'espère en tout cas. Allez, corps perdu encore une fois. Ah, tiens-le. Le truc, c'est qu'ils sont pas défensifs, mes Pokémon. Pas du tout. Et le tonnerre, là, de sur Coatox, ça fait mal. Ça fait mal. Ah, t'abuses. Bon, on va faire comme lui. Non. Certainement pas. J'ai pas une... Moi, j'ai une hyper potion, allez. C'est chiant, j'aurais dû acheter des rappels par contre. Du coup, mon Simiabraz. A tous les coups, il va pas du tout me servir. Et encore, je sais même pas si c'est. Je crois pas que c'est son plus fort Pokémon. Je crois que son plus fort Pokémon, je crois qu'il était niveau 41 à ce qu'on m'avait dit. Donc, bon.
ça promet. Je pense pas qu'on... Enfin, quoique. On verra bien. On verra. Allez, fait encore corps perdu. Ah, mais ouais, mais là, non. Séisme. Séisme, c'est mort. Séisme, c'est mort. Ah non, il tient, c'est bien. Ok, Maconior, c'est vraiment le seul Pokémon qui est à peu près défensif. Par contre, là, ça va être chaud. Est-ce que Maconior serait le Pokémon de l'épisode? Bastiodon. On envoie Galam. Et j'aimerais bien me soigner. Soin hyper potion. J'aurais dû envoyer Scarino plutôt. Que Galam. Tant pis. Tant pis. Mur de fer. Bah, fais ça. Augmente ta défense si tu veux. Je sais que ça va être chiant, mais c'est pas grave. Je préfère que tu augmentes ça que. On va faire lame feuille pour tester un petit peu. Il est roche acier, si je me trompe pas. Ou sol acier, je sais plus. Ouais, ça fait que dalle. En même temps, t'as augmenté ton truc. Ah oui. Ouais. Je suis obligé de faire un lame feuille. Wow, je te fais quand même des petits dégâts. Fumifère, ça y tient. Ah! Ah, je suis obligé de le faire pendant combien de temps? Fais fumifère. Dans slam. Dans slam. Ouais, j'accélère parce que c'est long l'animation et tout. Dans slam, c'est chiant. Vas-y, provoque-moi. Parce que là, on fait toujours la même chose. Ah, ça marche ça. Ah, t'as une B. Par contre, non. Normalement, il a plus de soins. Il a utilisé deux guérisons, je crois. Donc, ça devrait être bon. Hop, voilà. Lame de roc. Ça fait mal. Pas assez puissant. Bon, c'est pas efficace, mais c'est quand même assez puissant. J'ai fait combien de dans ce lame? 2-3 j'en ai fait. Ouais, ça fait un petit peu mal. Fumifère, techniquement, on résiste. À moins que ça devienne de plus en plus puissant, c'est possible aussi. Mais on va faire la technique du je me soigne. Voilà. Provoque. Haha. Tu l'as pas vu venir ça. Et lame feuille. Mur de fer. Vas-y. Je t'en prie. Je vais faire encore une danse lame. J'en avais fait deux, donc on va faire une troisième. T'augmentes ta défense, bah j'augmente mon attaque. Normalement, je sais plus trop comment ça marche provoque, mais ouais, je peux faire la même feuille quand même. Eh ben voilà, c'est bon, on l'a eu. Bon, voilà, du premier coup. Bon, un peu con pour Cinabrase, mais bon, c'est pas grave. Je sais même pas si Close Combat se l'aurait tué. Peut-être se l'aurait tué le Silix. Ça apprendra à pas faire trop gaffe à ce que je fais. Allez, y aller un peu trop vite. Non, coup de main, ça je m'en tape. Oui, abandonner coup de main. Pokémon robuste anéanti. Et ouais. Tu as assez de talent pour venir à bout de ma grande équipe de Pokémon. En reconnaissance de ta puissance, je te confie ceci, le badge mine. Merci. Merci, merci, merci. Donc, sixième badge. C'est quand même cool. C'est bien. Ce badge permet d'utiliser la capacité force en dehors du combat. Tu possèdes maintenant 6 badges. Cela signifie que les Pokémon t'obéiront au doigt et à l'œil jusqu'au niveau 70. Tiens, pense également ceci. C'était 91. Lumino canon. Ok. Peut réduire la défense spéciale de la cible quand elle fait mouche. Ok, d'accord. Bon. Bah, du coup, on va se barrer. On va se barrer. À tous les coups, à chaque fois qu'on gagne un badge, on a toujours quelqu'un qui vient nous emmerder. Mais bon, tant pis. Du moment que je peux aller sauvegarder après,
C'est pas un souci. Bon, par contre, l'épisode là, il est quand même bien long. Hey, c'est le badge de mine. Bien joué. Tu es assez coriace pour envisager de devenir le prochain maître Pokémon. Bien sûr, ça n'arrivera pas étant donné que je suis toujours numéro 1. Enfin bref, accompagne-moi à la bibliothèque, Philito. Ben, la prochaine fois, d'accord? Du coup, on va soigner et on va arrêter là pour ce 22e épisode. En tout cas, j'espère que vous l'avez bien aimé. Même s'il fait 40 minutes. Et certains n'aiment pas les épisodes de 40 minutes, mais bon. J'espère que vous avez quand même bien aimé. Et du coup, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et on se trouve la prochaine fois pour l'épisode 23 où on ira parler à l'autre débile. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye tout le monde.